Alors, j'ai rien sur mon bureau, j'ai tout rangé, mais je vous montre au fur et à mesure, puisque ma vidéo était supprimée. Bref, à part ça, si vous voulez la vidéo quoi dans mon sac et veille toujours de la rentrée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, sinon vous me posez le compte de pouce bleu, ou vous venez me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici sur l'écran. Bref, on démarre, j'ai mis ma lampe, voilà, puisqu'il ne fait pas assez clair, j'ai un petit peu frais ici parce qu'il n'y a pas de chauffage, mais j'ai oublié mon pull en haut. C'est pas grave, ça va aller. Alors, pour commencer l'année, j'ai toujours gardé le même sac, j'ai gardé le même plumier, enfin voilà. Premièrement, j'ai acheté des blocs de feuilles de la marque Fontaine. J'adore, c'est quadrillé, perforé, rien à dire, voilà. Ensuite, j'ai acheté des intercalaires. Celui-là, j'avais déjà la marque Exacompta, là, ma fin. C'est en carton, j'avais déjà l'année passée. Et j'ai racheté ceux-là en plastique souple, voilà. Ensuite, au niveau des cahiers, j'ai pris un cahier à Thomas, j'avais déjà l'année passée. Celui-là, il est pratique puisque, comme vous le voyez, il y a des intercalaires juste ici. Et en fait, quand vous prenez l'intercalaire, vous tombez sur un cours en biologie. Et donc, en fait, ça, je prends à l'école, c'est mon cahier de synthèse. Donc, après, mes résumés, mes synthèses, pour mes interros ou pour mes examens. Voilà au niveau de ce côté-là. Je vais ranger au fur et à mesure, comme ça il n'y aura pas de bordel en finissant la vidéo. Ensuite, j'ai pris un trieur, puisque je n'aime pas les cahiers, je n'aime pas les classeurs. Voilà, les classeurs et moi, c'est pas possible, voilà. Donc j'ai pris un trieur, 8 compartiments. Alors j'ai mis français, maths, sciences, géographie, histoire, anglais, religion, expression orale, donc du théâtre. Et avec ça, j'ai pris ceci. Fit Lab, donc en fait c'est un espèce de portfolio, donc c'est tout de feuilles finies que j'ai fait des intercalaires moi-même avec la marque Exacompta pour mettre droit, psycho et bio-humaine, donc mes trois cours d'options, et normalement je monte mes cours, donc voilà. Je pensais qu'il fallait genre acheter un trieur plus grand, mais pour le début, je pense que ça pourrait être pas mal de tester un peu les deux. Comme j'aurais pas du droit tous les jours, j'aurais pas de la psycho tous les jours, ni de la biologie tous les jours. Ça, si j'aurais pas de psycho, je pourrais laisser ça à la maison. Dans le cas, je prendrais tout le temps avec moi. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, mon cahier de synthèse, mon cahier d'organisation, mon cahier tout simplement de la maison. De la marque Fontaine avec des synthèses de billes. De chimie, donc, voilà, de biologie avec, donc voilà. Ensuite, j'ai racheté une latte que j'ai enlevée de mon emballage. Voilà l'emballage. Mais donc, j'ai pris une petite latte parce que Pranine a cassé ma latte l'année passée. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris de l'un des débiles, un gros, un fin. Voilà, de cette marque-là, tant que tout le monde connaît. J'ai pris du fluo. Alors, vous savez, j'ai une grande folie sur les fluos pastels. Cette année, quand je vois tout ce qui est pastel, je fonds. J'adore. Donc ça, 5 balles, c'est pas les 5 balles qui vont perdre, c'est les 5 balles qui vont utiliser, puisque j'adore, 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 franchement. J'ai aussi des gommes, vous vous rappelez, hein, ces petites gommes. Attends, on va mettre la petite gomme en focus. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez ces petites gommes. Mais voilà, les petites gommes Lego qu'on construit avec. Hop, on peut construire n'importe quoi avec. Alors, j'avais tout un tas, mais ils ont été tellement utilisés que j'en ai plus maintenant, à part celui-là. Voilà, c'est tout à fait normal. Ensuite, j'ai des petits stabilos transportables, comme ça, petit. Mes bics, toujours très utiles, mes bics. Tupac, je sais pas comment vous appelez ça, souris, Tupac, Blanco, enfin voilà. Ensuite, j'ai pris un agenda, mais à l'école, ils nous procurent des journaux de classe. Donc voilà, si j'ai un journal de classe, je ne prendrai pas mon agenda, je le garderai pour la maison. Mais sinon, j'ai pris celui de Romy. Romy, je pense que vous voyez de qui je parle. C'est ça. Romy. Romy, voilà. Sur mon agenda, j'ai canon, il y a le numéro de tous les jours. Mandala. Et sticker. Des stickers trop beaux. Ah, on est d'accord. Couleur pastel encore une fois.
Alors, j'ai encore les feutres ici. Voilà, les petits feutres. Encore, qu'est-ce que j'ai encore? Je sais plus ce que j'avais rangé, mais voilà. J'ai plein de petits rangements. J'ai encore les trucs ici encore. Alors, les trucs que j'avais déjà l'année passée que je n'ai pas encore utilisé, voilà. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà ça l'année passée. Malheureusement, je ne vais pas les utiliser. Je pense que ça va finir à la poubelle. Parce qu'ils ne fonctionnaient pas. Donc, grosse arnaque, n'achetez pas ce genre de choses. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais déjà ça l'année passée. Des petits scotch en forme de macaron. Alors, je n'utilise absolument jamais de scotch à l'école. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas encore l'utiliser. Voilà. Ensuite, j'avais acheté ça chez Emma. C'est un petit compartiment comme ça. De voilà, gomme, crayon, taille crayon, latte, version tropicale, donc j'adore. Petit taille crayon que j'avais déjà l'année passée, voilà, j'ai pas pris à l'école parce que ben ça casse, voilà. Donc ici je vais pouvoir l'utiliser à la maison ou à l'école, je sais pas encore, mais ça casse donc j'ai peur de le casser. Ensuite, ça aussi c'est un achat inutile, je le regrette aussi. J'ai la calculatrice en forme de chocolat. Voilà, ne marche pas bien, donc voilà. Ensuite, un petit rangement pour ranger ses petites fenêtres, trombones, etc. pour la maison. Ensuite, des post-it. J'ai toujours pas utilisé, je pense que vous vous rappelez. J'avais mis ça sur mon bureau, comme déco, mais en fait, il est trop petit. Je sais pas écrire grand chose, donc au pire, je donnerai à ma maman. Voilà. Voilà, voilà. Et il me reste une petite gomme, la petite cathédrale de Londres. Et la grande tour, la grande roue plutôt. Je sais pas où elle est, la grande roue. Bref, il me reste aussi la grande roue de là-dedans. Je vais vite ranger, donc je vais faire. Je vais me pousser dans un carton pour éviter de la place. J'ai aussi également un plumier. Je vais vous montrer également. Pour la maison. Voilà, ce sera là pour mon bureau. Et enfin, deux de mes compartiments qu'on a fini. J'ai encore les surlumières. Les mêmes que j'ai passé, mais il m'en restait deux. Donc le vert et le mauve. Donc imaginons, hop, vous enlevez sur la surlumière. Voilà. Le filot, quoi. Encore des petits blocs neufs. L'année passée, j'avais l'Oreo. Cette année, c'est un biscuit. Voilà, il est trop beau. Voilà, des petites notes. Ensuite, j'avais encore des petites gommes que je n'ai pas encore utilisées. Vous vous rappelez, c'est pas la Wind Tiger. Pour cette année, des post-it de chez Emma. Voilà, des petits post-it assez colorés. Là. Trop beau. Ensuite, j'avais ça l'année passée aussi, mais je n'en avais jamais utilisé. Cette petite boîte à sardines parce que j'utilise jamais de trombone. Et ceux-ci, ils sont en carton. Donc, ben, je ne vais pas beaucoup utiliser. Donc, je donnerai à ma maman. Voilà. Ensuite, classique colle. Voilà. Encore le papier collant. J'avais acheté des petits post-it comme ça chez Family Tiger. Encore. Voilà. J'ai des gommes aussi, des gommes simples. J'ai aussi une agrafeuse que j'avais acheté chez Ava Papier. Voilà. Une petite agrafeuse pour moi. J'ai également des feutres encore, stabilo, mais pour la maison. Et les mêmes, mais en plus petit pour l'école, voilà. Et enfin, j'ai un antifaux grammaire et un dico anglais, voilà. Donc comme ça, vous l'avez vu. Et je pense que j'ai tout montré. Mon premier, je ne vais pas vous montrer tous mes stabilos, etc. Voilà, c'est les mêmes que l'année passée. La chose que j'utilise le plus, c'est ceci, avec ceci, et ceci, et ceci. Et le crayon ordinaire qu'il y a dans mon poumier. Voilà, donc à part ça, les autres trucs, c'est de temps en temps, pas tout le temps. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo fonture scolaire vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, moi je vous fais plein de gros bisous. Bye!